commence bien là. Hop, on the radio, in the place to be. Et là, tu viens de comprendre que inlassablement et immanquablement, c'est l'émission Le Capitaine Funk qui est dans la radio. Woo! Ce soir, j'ai du renfort, j'ai même l'équipe au complet, ceux qui ont fait, pratiquement plus de 20 ans là. Ah oui, au moins, on en est là au moins, c'est sûr. Et ensemble. Professeur Saïd, je suis content parce que c'est pas souvent. Ah, ça me fait super plaisir d'être avec vous, les potes, les auditeurs, les auditrices, bien sûr. Ouais. Cause I'm meant to love you. On recommence à travers une vidéo et des bobines pour les charisés funky. Le DJ officiel de l'émission. Le DJ Valaz. On the radio. Oh yeah. On va passer un agréable samedi soir sur les ondes de Radio Béton. 93.6. D'ailleurs, alors un seul 45 tours, un simple, ouais. I don't care. C'était un tube. Je ne sais pas. C'est comme ça. C'est un mystère, ce morceau. Mystère, voilà. Est une tuerie, mais peu de distribution, aucune visibilité. Et voilà. Oh, et voilà. Le professeur. Il est là. Il a ramené la galette. Paul Jackson sur les platines de Radio Béton. Paul Jackson à la basse. Harvey Besson à la batterie. Et le Tower of Power. Saïd. Oui, Coke Escovedo. Alors la famille Escovedo, bien sûr tu la connais. Oui. Coke, Pete son frère, la fille de Pete, Sheila I. Sheila I, bien sûr. C'est toute une famille de percussionnistes. Alors il s'essaye à une carrière solo, 75, 76, et cet album disco single de 1977. Sur cet album-là, on a les musiciens d'Herbie Hancock comme Paul Jackson, on reconnaît bien la ligne de basse. Les meilleurs. La batterie d'Harvey Mason. Et on a les claviers de Pat Gleason. Alors Pat Gleason, il était sur les albums expérimentaux d'Herbie Hancock 72, 73, Eddie Anderson aussi 73, 74. Et la section cuivre, les Tower of Power. Cet album, ça reste le meilleur, même s'il n'a pas très bien marché. Puis après, c'est une petite traversée du désert quand même. Ah, c'est du lourd quand même, moi j'aime bien. Et on a écouté le morceau Trash Man. Il nous a carrément disséqué le disque. Ah ouais, mais... Ah, d'un coup. Attention, c'est le professeur Saïd qui a la basse. Ouais. Ouais. Oh, et il y a la batterie. Et il nous a laissé en 86 à l'âge de 45 ans quand même à noter. Oui, c'est ça, il est mort jeune lui. Destiny in Time. You being on the best in me. Vous faites ressortir le meilleur de moi-même. Oh là là. Ça vient un peu ce titre.
Seul et unique album. Entre jouer au baseball professionnel ou poursuivre sa carrière musicale, il a choisi son premier amour, la musique. Ça durera pas longtemps, ça sera même un album qui passera à travers, parce que la même année, il y a un album qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la position, à la voix, à la façon de faire. C'est Michael Jackson avec Thriller. Et petite anecdote, quand j'étais gosse, moi j'avais pas encore vu la pochette en 82. J'écoute le premier morceau, le plus connu, voilà, Girl You're the One, et je croyais que c'était Michael Jackson. Et, oui. Et non. Alfonso Lee John. C'était le morceau Don't Stop the Feeling, et le feeling on l'a sur Radio Béton, non? Ah ouais! La vôtre, monseigneur! En plein mix! En plein mix! Ah mais c'est décontracté alors! Ah bah hé! Ça craque! Santé! À la tienne, mon pote! J'arrive! Le chum Marlon et Pete, c'est B. MP en 85, le morceau Let's Party. Salsoul Records, c'est un mélange, une création entre la salsa new-yorkaise et le disco funk des années, ouais, disco. Oui, complètement. Et là, c'est Kenny White out. All right. Lui, il sort d'un peu du groupe Center Stage. C'est pas trop connu en France parce que ça passe un peu inaperçu. C'est pas connu du tout. Non. Ouais. Mais c'est un peu pointu, hein. Tu peux le retrouver sur les compiles Chicago Party. Symbole, c'est ce qu'on écoute là. Ah, le symbole 8. Ah là 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 là. Ça, c'est excellent, ça. Ce sont des éphémères, des rééditions de morceaux complètement passés inaperçus. On a cette chance de pouvoir vous les faire découvrir. Découvrir, bien sûr, il n'y a pas de problème. Le partage. Et nous prendre plaisir à les passer en vinyle sur les platines de Radio Béton. Calmez-vous, monsieur, Jay Floyd. Ah, ça c'était terrible. The Shielder Family Band. Côté funkadélique. Ouais, exactement. Et là, nous sort un petit 45 tours inaperçu. Pareil, c'est Keep des choses. Your burning. C'est quoi ce morceau de dingue là pour clôturer la playlist? Ça c'est Cousin Ice. Oh hey, on n'a pas fait semblant là. Ah ouais, il y avait des beaux trucs ce soir. Hein. Ah non, regardez ça. On a ramené encore du beau sur les platines. On va se laisser, on va se retrouver samedi prochain sur Radio Béton avec la vidéo pour te faire un petit clin d'œil et te montrer un petit peu qu'est-ce qu'on vit sur les platines et qu'est-ce qu'on met sur les platines. On se laisse. Allez, ciao. À bientôt. À bientôt, à samedi prochain. Ciao.